Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil 6 pour l'épisode 8. On est toujours au chapitre 2 et c'est parti, continuons. Donc toujours en amateur. On est au niveau de l'hôtel. Alors en ligne, tu dégages. Hors ligne, et c'est parti. Donc on va voir les mystères d'Elena. Bonjour. Continuons. C'est parti. Bonjour Elena. Toujours en pleine forme? J'ai envie de te mettre un coup. Un coup de poing dans la face. Tu veux rien me dire. Parce qu'elle m'a énervé. Est-ce que tu me croirais sans doute pas? Voilà. Pourquoi? Et ensuite, tu auras toutes les réponses et les preuves que tu veux. Chaco. Attendez, regarde, en tout cas c'est une sacrée déchetterie ici. Burdé la queue. C'est quoi ce délire? Quelque chose là, non? Oh! Regardez! Et à qui voilà! C'est les blèmes. Donc voilà. Parfait! Dans la boue, la petite la blème. Tu veux des réponses, tu vas d'abord m'en donner quelques-unes. C'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Eh ouais! Tu la connaîtras pas! On regarde quand même, on ne sait jamais. Il y a un hurleur. Ah non. Je me suis gouré. Je pensais que c'était un autre bouchon. Je crois qu'il fallait faire le stick analogique. Et bim. Smackdown. J'aime bien ça. Smackdown vs Raw. C'est pas du tout la même chose. Elena, dépêche-toi. Elle a l'air bien bonne, Déborah. C'est parti! Déborah! Déborah! Tu m'entends? Elena? Dis-moi, ok. Ça suffit, les secrets. Qu'est-ce qui se passe ici? Sortons-la d'abord d'ici. Après, je te dirai tout. C'est promis. Tiens bon, Deb. Bon. Occupe-toi d'elle. Je me charge des ennemis. Où sont les ennemis? Oh oh. C'est sûr qu'il n'y aura que des ennemis parce que j'ai l'impression que c'est pas très solide. Je vais te ramener. Ah. C'est la merde. Combattez. Vol. I believe I can fly. Lui, il va bien toucher le sol. C'est tout ce qu'il va gagner en tout cas. Ah, c'est dommage parce que du coup, des points d'habilité, je les aurai pas. Et toi, la machette, schling, coupe la tête. Voili, voilou. On ne s'embête pas. Oh, des points d'habilité. Toujours ça passe. Et bim. Et on l'écrase. Comme un vulgaire caca. Quand on lui marche dessus. On en a plein des godasses. Oh, ça peut la même chose quand même. Le toit s'effondre. Oh putain. Léon, à l'aide. Run, baby, run.
Quoi? Mais qu'est-ce que... Attendez, je comprends pas là. Ah! Bah. Ah! Je croyais que c'était tout en bas, moi. J'ai eu peur. Oh. Bah ouais, là tu le fais tuer tout seul, comme un idiot. C'est quoi? Encore des munitions? Alors mon fusil à pompe, bah il est rechargé. Donc pas trop le choix. D'accord. Bim! J'ai cru que j'allais voler. Heureusement qu'il y a des murs invisibles. Non, pas de poids d'habilité. Ah, je suis déçu là. Moi j'en voudrais des poids d'habilité. Hein. Et dans la face. Bon, en tout cas c'est sympa. Après les laboratoires là on est un petit peu dans les tréfonds. On est encore plus pour la fois que les laboratoires souterrains. C'est quand même remarquable. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Oh oh. Il y arrive tout seul là, cette fois-ci, Léon. Comme quoi, on peut pas compter sur elle là, hein. Petite cachotière. C'est pour ça que tu nous as emmenés au cimetière. Mais à force de tout nous cacher, tu vas te faire enterrer. Oh, punaise. Crotte, hein. On continue de plus belle. On est bien obligé, en espérant qu'on se fait pas cracher dessus cette fois-ci. Il y a des ennemis derrière, donc je vais leur casser la bouche. Ah non, j'ai dit que je voulais pas qu'on se fasse cracher dessus. Toi, c'est tout. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, monsieur, c'est dégueulasse. Boum, tiens, prends ça, toi. Voilà, c'est ce que je fais au mec qui me crache dessus. Je leur fous un coup dans la face. Bon, Oh ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Oh, elle court. Non, c'est moi en premier. M'en fous. Y'a rien à récupérer avant. D'accord. Très bien. What the fuck? On dirait que tu as vu un fantôme. Ada, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très compliqué. Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Ces passerelles ne vont pas tenir. Descendons au niveau inférieur. Je suis désolée, Déborah. Tout est ma faute. Elena, éloigne-toi d'elle!
Non ! Tirez pas ! Pitié ! C'est quoi le délire ? On peut encore à votre avis ? J'essaye. Mais what the fuck, hein. Déborah, où es-tu? Ah. Moi ça me va, s'il y a des ennemis qui meurent tout de suite, ça me va. Allez, viens, cocotte. Hop là. Olé. Une bague. Ne te fais pas d'illusions. Tu comprendras. Tu vas te marier avec Ada. Ok. Allez, cachotière. Tu veux Léon, hein? Avoue-le. Combattez. Pas de poids d'habilité? Bon ben non. Olé! Il est là, Indiana Jones. Pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? Okay. Adieu! Encore? Oh oh. Attention, vous deux. Elle est puissante. Occupe-toi de tes affaires. D'accord. Reviens, coquine. Oh punaise! C'est quoi ce délire? Oh oh. Quoi? What the fuck? Oh bien fait toi. Je t'apprendrai. Ah ouais, d'accord. Oh, mais elle a pas fait à du kung fu ou quoi là? Ok. À chaque problème sa solution. Un bon coup de shotgun. Moi je vous le dis, ça va faire effet. Oh. Je suis en train de me demander comment on peut faire pour esquiver, mais je ne sais plus. C'est plutôt triste. Non. Où est-elle? Ah bah voilà. Ça y est. Et... fais-toi empaler, ma coquine. Ah. Oui, oh. Mais il y a aussi les poids d'habilité en fait. Ok, elle l'a eu. Mais casse-toi. Non mais. Vous devez la... Merde, j'ai loupé ma balle. Si vous voulez lui rendre service. Ok. Allez, la petite tête. Oh oh, non, 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 tu te calmes, toi. Tu te calmes. Ok. Mince. C'est quoi le délire? Mince, il me fait avoir. Combattez. On les a eu.
Et où? Bouffe ça! Non, t'as pas le droit. Triche. Oh putain! En fait, j'hésite à tirer parce que c'est compliqué quand même. Ah, voilà, très bien. Et là, on fait quoi? Ah! Ok. Allez, casse-lui la gueule! Vas-y, Léon! Non! Oh. Je me suis fait avoir. Oh putain! Cours! Bon, faut le temps de comprendre les patterns, hein. Compliqué. Oh oh. Oh oh. Et là, je fais comment? Merde. Je crois qu'on lui a fait mal. Bon, moi, j'ai quasiment rien fait, hein, mais bon. Ce n'est point grave. Elena, venez m'aider. Faut que je me dépêche. Elle a besoin de mon aide. Du moins, j'ai l'impression. Mais non, mais laissez-moi. Aïe. Moi, courir. Allez, laissez-moi. En fait, je comprends pas trop le délire. Là. Je cours, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Faut que je tue d'abord les deux ennemis ici. Allez, meurs! Ah! Ça brûle! Ok. Oh, bah ça passe! J'ai cru que ça aurait été plus complexe. Non, ça va. Allez, on prend tout, tout ce qu'on peut déjà. On y va. Tout ça va. J'espère qu'il va loin et qu'il est sans arrêt. Merde. Et je sais plus comment on fait pour s'abaisser. Oh bah si, c'est bon. Pas besoin d'appuyer sur le bouton. Allez, allez, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, j'ai fait une esquive. Arrête, Déborah ! Ce n'est pas toi ! Oh oh. Déborah ! Oh. Oh punaise. J'en ai démonté là. Allez. C'est bon. Bon, il a fait mal quand même là. C'est bon, on me laisse tranquille. Oh oh. Je préfère tirer plus de balles là. On va assurer nos arrières. On va assurer de ne pas mourir, ce serait déjà bien. Oh oh. Et hop. Les esquives, ça marche bien. Hein. Vous voyez, même eux ils le font. Hop. Oh putain.
Je m'en fous, hein, là la précision, what the fuck quoi. Ah ah. Éliminer les bras. J'ai bien foiré mes balles comme il fallait. Non. Non. Bon, déjà, toi, tu te lèves. Punaise. J'ai déjoué la sécurité du président pour Simmons. Ça, c'est du Simmons tout craché. Pourquoi il ferait un truc pareil? Longue histoire. Nous jouons avec les véritables dirigeants de ce magnifique pays. Un jeu vraiment très dangereux. Et si vous n'abattez pas les bonnes cartes, Léon, où es-tu? Simon, c'est là? Oui. Hunnigan, sois très prudente. Je crois qu'il est derrière tout. Parle de moi. Simmons. Dommage que j'ai un classement, mais c'est dû à ma précision, c'est sûr. Ah, aussi le temps. Ok, bon. La précision, ça c'était sûr. Nombre de fois tué, j'ai pas été tué, donc... Donc je ne comprends plus. Shed crop rap, ah. Bon, en tout cas, c'est pas grave, parce qu'on a déjà fait de bonnes petites choses. Ah oui, c'est quand même 156 ennemis tués, c'est pas mal. Donc voilà les amis, ça clôture du coup le chapitre 2. On se retrouvera donc pour le prochain épisode, début du chapitre 3. On verra comment ça va se passer. Là on a passé 1h24. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je joue au jeu. Je ne passe pas les cinématiques, je les regarde parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus depuis très longtemps. Enfin j'y ai joué il y a très longtemps, donc il y a juste celle de la campagne que j'avais faite. Il y a des petites choses que j'ai complètement oubliées, et ça, ce sera une bonne surprise de les revoir. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil 6. Salut à tous les amis!